Bonjour, je suis Corentin, cofondateur et associé de la société Lumine. Et chez Lumine, nous utilisons la réalité virtuelle à des fins thérapeutiques pour améliorer le bien-être et la prise en soin auprès des personnes âgées en perte d'autonomie et dépendantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 30 ans de recherches cliniques qui ont mis en évidence les bienfaits thérapeutiques de la réalité virtuelle. Et nous sommes la première société à adapter cette technologie aux usages et aux besoins spécifiques de la gériatrie. Et donc notre solution, elle est utilisée par nombreux animateurs et soignants pour agir contre l'isolement social, la dépression, l'anxiété, la douleur, mais aussi pour favoriser la stimulation cognitive et la réminiscence de ces personnes. Un des objectifs de Lumine, c'est de rendre l'art et le patrimoine accessibles au public empêché, donc les personnes âgées, mais aussi les personnes porteuses de handicap. Et l'incubateur du patrimoine va nous permettre de produire et de diffuser des expériences culturelles auprès de personnes qui sont éloignées de la culture, mais aussi de structurer notre réflexion stratégique pour remplir cette mission à grande échelle. Le Centre des Monuments Nationaux peut nous ouvrir les portes de plus de 100 monuments et la SNCF détient un patrimoine ferroviaire et industriel important, ce qui va nous permettre de produire et de diffuser des expériences riches et variées.